De retour sur Wedge Match pour la finale de notre 8-man avec le petit deck Collecute Skip Shift. Moi je joue en premier. Hop. Donc toi on va jouer Stomping Ground de taper, prendre 2 et jouer notre Search for Truth Tomorrow. On espère très fort que Pyroclasme ne soit pas mort contre lui. Non, il jouera. Bon, du coup, on va jouer notre Pyroclasme tour 2. On peut faire les greedy. Tu commences à nous faire. Enfin, c'est assez facile de faire une 3-3. Puis en plus, potentiel de le détruire complètement. Match-up une grosse course. Hein. Donc là, on va rejouer Search for Tomorrow. Et c'est en vision. Et Valet Q de taper. Après, au prochain tour, on va faire Snapcaster. C'est en vision. De protection contre les créatures, enfin, en fait on va faire Stormcaster Pyroclasme. Vraiment il n'est pas du tout de créature. Bon Stormcaster Pyroclasme c'est pas le play de l'année, mais bon. Vu qu'il n'a pas de créature, ça lui pète un terrain en plus, enfin, je pense c'est parfait quoi. Maintenant n'importe quel skill shift nous fait gagner. Là-dessus, de toute façon. Peut que nous faire une lutte. Hein. Je vais faire vision là-bas. Les deux en dessous. Par contre, et on va chum bloquer, on va sacrifier le sacro, même si c'est pas terrible de remélanger les deux cartes du dessous, parce que sinon il gagne des points de vie, non, c'est relou. Encore bon, on va bloquer, on va pas sacrifier et on va pas sacrifier fetch. Ça, s'il a rien, il nous tue pas au prochain tour. Allez, commande, creuse, on creuse. Ouais, c'est un des problèmes du jeu, c'est que parfois on pioche pas skip shift quoi. Ah, quand même, Silent Forest, on est mort.
c'était pas trop prêt de piocher un scape shift. Waouh, c'était bien. Bien caché quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va lui rentrer? 3 spell skates, tout simplement. Et on va virer. Is a charm, c'est pas terrible. C'est un caster, c'est un peu lent. Pyroclase, c'est un mal nécessaire. Surtout sur le play. Spellscape, il faut savoir que ça le tue net. Ça le bloque bien quoi. Voilà, hop là, on a un spellscape, on garde. Je vais Misty en premier. Ah non, on va jouer Steamboard en premier, je pense. Misty, de toute façon, on va chercher une île avec. Donc, on a déjà beaucoup de verre. Tout de suite pour épurer le jeu. Il n'y a pas d'or, hein. C'est fâcheux pour lui. Hop, on va faire un tank tank d'abord. Si on a une merde au-dessus, genre Flooded Grove. On peut fetcher tout de suite et la remélanger. Oh là là, il est traumatisé parce que j'ai fait la pépère. Il a bugué. Monsieur Skyx, ma foi. Il remet un temps face, mon ami. Faire gaffe à ces spell sky parce que ça prévient 1 sur chaque trigger de Valakut en fait.
C'est que là, pour lui mettre 20, il faut des trieurs. Faut partir avec 8. C'est tout, on a 8, mais... Il est pionce R là, celui-ci. Hein. Sacrifie ça tout de suite. Non, pas jouer de montagne. Ça fait des points de dégâts en plus. Le moment, on aura skip shift. Des Haven Main 500 en service, qui serait dommage. Qu'est-ce qu'il fait là? Comment là? Il a une blanche, oui, je vais voir ça plus tard. Voilà, t'es mort, t'es mort, t'es mort. T'es mort, t'es mort, t'es mort. Je vais même faire deux pyroclasmes avant. Because I can. Mettre le maximum. Ok. On va être sur la draw pour la 3, c'est un peu plus compliqué sur la draw quand même. Je sais pas pourquoi il a pas tout mis sur son... Enfin, pourquoi il a pas mis des auras sur son spell skate plutôt. Il commençait à me bourrer avec son spell skate, tu m'as pour tuer. J'ai pas fait gaffe, mais... enfin je sais pas ce qu'il y avait en moi quand même. Ah non, je vais faire paf tes morts. Bon, on passe à la 3. Hein. Ah, je veux rentrer des silos primordiaux, oui. Ah, c'est mieux que des remontes sur la droite, je suppose. La finale, un petit QP là, 5 packs, on se met bien. Si on gagne ce game,
Regardez cette main, mais bon. Peu par dépit. J'espère qu'il fasse pas une 3-3 quand même. Sinon, ça va être la course. La course. Au laver. Ah, déjà, ça c'est chiant. C'est pas mal comme pioche. Bonne pioche! Vu qu'il est 3-3. Ok, fair enough. Ouais, je ne pourrai jamais le détruire, lui. Ah, pas piocher le land, c'était pas bon, bien. Du tout. Ça, il est qu'une 4-4. Il suffit d'avoir des merguez en main. Parce que j'ai envie de garder les deux, quoi. Regardez, qu'est-ce qu'il y a eu shift? Un petit coup de 4 encore. King sense. Il a pas de rancœur, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. C'est skip shift ou rien. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde.
je peux me permettre de bloquer sans sacrifier parce que je suis plutôt là pour piocher un playing time. Je n'ai pas spécialement envie d'utiliser ma cryptique en premier parce que si jamais il pioche par exemple dans encore, enfin encore surtout, enfin, c'est tout ça dont il s'agit. Beaucoup moins frais. Bon, là j'ai deux cryptiques, je suis pas trop mal. Je me prends encore un coup de 7. Tout ce qui me fait tirer la vente après rien. Donc. Je vais me plaindre de prendre cette et de laisser piocher. Maintenant, bah voilà. 3, 4. Bah, beaucoup de repris chez Escape Shift. Ok, la créature dispose de la portée. Voilà. C'est le gain. Et bah écoute, c'est bien parce que toutes les montagnes sont côte à côte donc on peut juste spam cliquer jusqu'à ce qu'il y ait... jusqu'à ce qu'on puisse plus chercher de land. Non, je ne vais pas payer de life, ce serait bien bête de ma part. Pendant encore 11 minutes, je vais pas avoir le temps de tous les mettre, mes mères. Allez, concède. Tu es mort, tu ne vaux plus rien. Tu n'as qu'à pas jouer un vulgaire deck. Aura. Je peux me permettre de tuer un de ces. Ces Dryad Arbor. Ah non, j'ai mana dans la poule, là là là. Je vais tout faire à la main, il n'y a pas le. Hop là. Bon voilà, c'était deux Hitmen avec de la cut. On a fait 4 en finale, c'était pas mal, petit résultat nice. On se rencontre tard. Et on se retrouve bientôt pour probablement du moderne ou. Ouais, du moderne après Bilbao, et la semaine suivante, on fera sûrement du Game Crash. À la prochaine!